Regardez bien cet engagement. Nous sommes à 10 secondes de la deuxième sirène. Murphy s'en mêle les patins. Toms part en contre. Il faut faire vite et bien. Mission accomplie. C'est une offrande faite par Toms à Fritsche. Genève prend deux longueurs d'avance. L'horloge indiquait alors 39 minutes et 59 secondes. Ça, c'est de la précision suisse, enfin canado-américaine. Et puis le troisième tiers sera ennuyeux, comme rarement, pour rester poli. Mis à part cette violente altercation entre Goran Bezina et Owen Nolan. Bezina prend un premier coup de canne là où ça fait mal. Il se relève et se prend un coup de coude dans la foulée. Alors la réaction du capitaine des Grenats peut se comprendre, même si on ne doit pas cautionner ce genre d'action. Genève s'impose 3-1 et peut donc espérer terminer au pire 6e. La 5e place n'est d'ailleurs même pas très loin. L'objectif de la soirée a donc été atteint.